Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi je vous retrouve dans cette vidéo parce que je suis à Strasbourg et donc j'ai profité des fêtes de Noël pour faire les marchés de Noël. Et on commence avec celui de Strasbourg où c'est vraiment bien décoré, l'ambiance est sympa. À part quand il y a des attentats, mais bon ça malheureusement ça arrive pas partout. Et rassurez-vous, ça va, j'étais bien tranquillement chez moi. Mais je vous laisse sur les belles images du marché de Noël de Strasbourg. Ensuite, on a continué sur Colmar et puis d'autres marchés comme celui de Ribeauvillé qui est un marché de Noël médiéval. Donc il se passe que 3 week-ends par an, donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais je trouvais que ça valait la peine parce que l'ambiance est assez particulière. Il y a les forgerons, tout le monde est en tenue médiévale, donc c'était à faire. Cousin Marmotte. Et là, je vais vous dire, je vais vous dire,
Alice, on y va. Alice. Ensuite, et toujours pendant le week-end, on est arrivé aux deux marchés de Noël de Rietveer et Kaysersberg. Mais là, c'était juste insupportable pour moi, le monde qu'il y avait. Je vais vous montrer ça. Je vous laisse maintenant dans un autre pays. On va en Allemagne, juste à la frontière, dans la forêt noire, où j'ai fait une petite balade dans la forêt noire, la route des horloges et puis quelques marchés de Noël. Et ça aussi, c'était sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, c'est une période de l'année que j'aime beaucoup, les marchés de Noël, les villes décorées, il y a une ambiance assez particulière et
Je trouve que c'est une belle période, donc je voulais vous montrer ça, surtout que les marchés de Noël en Alsace sont réputés. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.